Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Divide and Conquer, le mode médiéval 2, et on était avec nos nains, on joue les nains des Rebor et des Iron Hills, on avait pris Gundabad aux derniers épisodes. Hop, on va regarder, donc on a toute une flopée de mineurs, deux unités d'arbalétriers, des Axemen d'Erebor et des Matok Warriors qui sont en garnison, tout ça sous le contrôle de Gurin à Gundabad. Donc on va pas le bouger tout de suite, le temps qu'on sécurise un peu l'endroit, bien qu'on pourrait pousser sur l'ouest, hein. L'armée est suffisamment pleine. Il y a l'anneau unique qui est au nord. Les nains ne seraient pas contre récupérer l'anneau, mais on a de bonnes forges ici, donc on va un peu améliorer les armures de nos troupes, surtout des Matok qui en ont besoin, et des guerriers. Guerriers nains, guerriers nains. Voilà. On fera ensuite les mineurs, non destaqués, et les Axemen, et enfin en dernier les mineurs. Pendant ce temps, on va construire des bâtiments, donc là, c'est pour la bière, pour augmenter la culture naine, pour qu'on puisse récupérer l'endroit. En gros, les nains entendent parler dans la région et viennent à Gundabad vu qu'ils savent qu'ils ont été récupérés. Et nos garnisons, pendant ce temps, éradiquent les populations goblines et les chasses. Voilà, des tunnels surtout. Ça doit être un boulot pas possible sous terre. Alors, Dainzol. Du coup, on n'a plus besoin d'avoir une présence aussi puissante à Dainzol, hein, vu qu'on n'a plus d'ennemis dans le coin. Quand on regarde la carte, on a les elfes de Thranduil qui sont là. Et qui se battent au sud contre l'ombre de Mirkwood. On a le Val de Landuin qui se battait contre les Misty, mais les Misty, grâce à nous, vient de perdre une de ses plus grosses forteresses. Il lui reste Goblin Town et Zakkala. Nos alliés nains de Khazad-dûm ont repris leur cité. Du coup, là, c'est des nains de Khazad-dûm qui mettent la pression au sud. Sur la Moria. Donc les Misty Mountains sont pris en étau, aussi bien par Elrond que Khazad-dûm, le Galadrim, le Val de Landuin et nous par le nord. Donc voilà, là les Misty sont complètement submergés de toutes parts. Ils n'ont pas pu faire comme nous sur le run des Misty de pouvoir vite éliminer un pour s'occuper du reste ensuite. Et on avance un peu trop vite de ce côté-là. On n'a pas laissé de brèche au nord. On a une grosse armée impossible à nous déloger de Gundabad là. Donc pas dans cet état-là. Ils peuvent réduire nos forces vu qu'on n'a pas de retrain. Ils pourraient nous avoir à long terme. Mais à court terme, ça va être compliqué pour lui de nous déloger. On a de la cavalerie de Del que j'aimerais bien récupérer. On va la faire traverser par le nord, vu qu'on a sécurisé les routes avec des tours de guet. Et on verra si elle arrive à destination, si le capitaine ne nous trahit pas. Parce que c'est un humain après tout, hein. Il peut très bien décider de rentrer chez lui sur la route. Mais si on arrive à le ramener vers Dale, on pourra le retrain et avoir une cavalerie gold au niveau des rebords. On la reprendra bien sûr avec une armée de passage ou un héros de passage pour l'utiliser ailleurs. À Kirigatol, on défend toujours. On va faire le tour des bâtiments vite fait. Burn Sagat. Donc on a notre Draki qui y va, ok. Et on pourrait construire des bâtiments. Je pense qu'on attendra que Draki y soit pour que ça soit sûr. Et enfin, à Rubar, on était en train de recruter bam, une catapulte de plus. Et ben avec cette catapulte, on pourra attaquer la petite ville avec Gimli. Voilà ce qu'on va faire. Helgaër, on tank avec Thorin. C'est la limite septentrionale de notre guerre face à Rune. Mais Rune a laissé prendre ces deux villes, hein, plus ou moins. Il nous a laissé avancer. On a eu des pertes. On peut difficilement continuer à avancer, même si on pourrait prendre une ville ensuite. Hein. Mais là, on tombe directement sur sa capitale, Mistrand. On peut prendre Mistrand, mais on ne la tiendra jamais si jamais il nous faut plus de la moitié de nos troupes pour voir la totalité de nos troupes pour la prendre. Ouais, parce que là. On parle d'autre chose quand même, hein. On parle d'une capitale avec des unités full et des unités d'élite, ainsi que 6 garnisons qui vont popper si on attaque. Donc voilà, on peut oublier ça. Oui, à savoir que Gimli, quand il va attaquer cette ville-là, enfin ce fort, il y aura forcément des garnisons, hein. Peut-être pas beaucoup, mais 2-3 garnisons peut suffire à stopper ce qu'il a actuellement.
Donc voilà. Normalement, le moral sera amélioré aussi à terme, et on pourra peut-être laisser que les mineurs pour maintenir le moral de la ville. Si on voit que le moral est trop bas, on est obligé de laisser Gimli quelques tours de plus, le temps que la situation se stabilise, le temps que la bière fasse son effet, parce qu'en fait c'est les tavernes hein, qui stabilisent la situation dans le cas des nains. Ce qui est très logique. Plus il y a de bière, plus il y a de nains, et plus il y a de nains, plus c'est calme. Plus, moins il y a de rébellion. Bon, c'est pas calme, non, mais il y a moins de rébellion. Alors, parce qu'ils aiment bien leur tranquillité, les nains. Hein. Ils se lèvent le matin, ils taillent des joyaux, et puis ils fument la pipe, et puis voilà, ils veulent pas non plus d'emmerde. Bien que dans Tolkien, ils soient agités hein, quand on voit le Hobbit. Ok, donc je crois qu'on est bon, on va passer nos tours tranquillement. Je pense qu'on va passer 2-3 tours d'affilée, donc je vais juste vérifier mes diplomates qu'on avait envoyés de ci, de là. My lord. On n'en a qu'un. Ok. Là, on allait vers les Dunedain, mais je pense qu'on peut aller directement vers sa capitale, c'est plus His court en deux journey is tours. over, sire. Train, c'est nos espions. Alors, il y en a un à Ruvar. Eh ben, on va l'envoyer regarder ce qui se passe là-bas. S'il peut nous ouvrir les portes, bon, on n'en a pas besoin, mais 76%, voilà. On va l'utiliser. Hop. Alors, pour le moment, il n'y a que des clanmen. Il maintient tranquillement la ville, hein, donc la population lui est totalement acquise. Hein, c'est chez lui ici. On va lui montrer que c'est chez nous. Hop, notre deuxième espion doit être de l'autre côté du monde. At Vous your voyez, command. les nains sont éparpillés. Hein. Ah non, il est aussi ici. Waouh. Ok, surtout des espions. Bon, tu me diras, à combattre les runites, c'est pas plus mal d'avoir pas mal On my d'espions. way. Ok, on va le laisser dans le coin, Strengthen c'est juste pour voir s'il n'y a pas de débordement sur nos flancs. your defenses at this day. Parce qu'en fait, ils peuvent passer par les guets. Et moi, je défends que ce pont-là et la capitale, enfin, la ville. Hop, on va passer le tour. Ah, ce que ça donne. Ok, bon, c'est plutôt calme. Bon, alors j'ai un gros lag durant les tours, donc j'ose pas parler parce que j'ai peur que vous m'entendiez très mal. Aye, my liege. Voilà, donc je reste Martin très calme durant le passage des tours. Je peux pas trop décrire ce qui se passe, mais bon, vous le voyez à l'écran. C'est vrai que pour ceux qui sont pas les plus habitués du jeu, j'aime bien le faire. Alors, Shadow of Mirkwood et Dale sont en guerre. Aïe, ah yeah, je pense que les hostilités ont reprise. Reprise ou commencé? C'est étonnant qu'elles aient pas commencé déjà. Mais c'est bon signe que ce soit le cas. Donc c'est ici, hein, Mirkwood. Donc ça veut dire que l'ombre de Mirkwood est déjà à Erin Runen et en train de déborder sur Dale, c'est-à-dire probablement sur cette ville, Bur-Alj, qui est probablement aux alliés ou aux elfes. Alors, Rubar, la catapulte est prête, donc on va pouvoir envoyer Gimli sur la citadelle. À Gundabad, les Matok Warriors ont été retrain, donc ils ont dû gagner un point d'armure, ce qui augmente leur défense à 9, ce qui est vraiment pas du luxe hein, quand on voit leurs stats. Il faudrait leur trouver les plus grosses armures des grosses cités, mais bon, il faudrait pouvoir s'installer plus longtemps. La mission a échoué, la prise du port de Rune. Helgaer, la ville est prête à se. Ok, donc la ville où il y a Lord Thorin a suffisamment de population pour grandir. Du coup, on va la développer. Ce qui va nous faire une grosse cité, une meilleure défense. Ça sera pas comme un château, hein, évidemment. Il y aura toujours qu'un seul mur d'enceinte, mais il sera beaucoup plus dur à brèche, enfin à faire une brèche dedans, et il sera mieux défendu. Point de vue tour et ben, simplement l'encaissement en général. C'est-à-dire qu'avec une catapulte, par exemple, ils ne pourraient pas attaquer la ville, je pense. Il leur faudrait au moins deux catapultes, ou au moins passer 3 tours à faire des armes de siège. Ce qui est toujours un plus pour nous. Alors, Gimli, c'est bon. Je pense qu'on peut envoyer ce qu'on a comme ça. Comme ça devrait aller. 77, Son of the Fallen, hein, si je me souviens bien, les mercenaires de Gimli. On devrait pouvoir gérer un peu tout ce qu'il a. Il a rien hein, en même temps. Par contre, dès qu'on va se mettre en mouvement, toutes les unités volantes qu'il y a dans la région vont converger vers la ville. Hein. Donc, Where's the fire?
C'est pas forcément qu'une unité de clan même qu'on va combattre. Ah, par contre, Rhubarb, vous voyez, rien que d'avoir augmenté. Ouais, en baissant les taxes, on est à 95% de rébellion, enfin de maintien. Donc 5% de chance de se rebeller quand même, hein, attention. Bon, ça n'arrive pas quand c'est à 95 en général, mais ça peut, ça peut. Ok, ici, on construit toujours rien. Bien qu'on pourrait facilement préparer le terrain, on a quoi? On a des fermes, on a des forgerons, une mine, un marché. On pourrait faire simplement une town guard, histoire d'avoir des mineurs et des guerriers. Mais bon, après j'ai peur que si jamais on prend la ville de Rune là, le front va se déplacer largement jusqu'à Elgaer. Il y a peu de chances qu'ils arrivent par bateau pour attaquer Winti Tyrion. Et surtout pas Burth Sagat. Je pense pas qu'ils remontent le fleuve pour aller attaquer Burth Sagat. Donc l'idéal serait de prendre ce héros et après remplacer Gimli ici. Et garder ça comme base principale de création de troupes. Donc, on ne crée rien ici qui ne soit pas de l'argent ou autre chose d'utile. Bien que les unités, ça soit utile. Hein. Les nains fabriquent pas aussi bien... Enfin, c'est pas les elfes, mais ça crée pas non plus des milliards d'unités. Hein. Donc c'est bien d'avoir des réserves dans les villes et de les envoyer. Ce qui est un peu toujours le problème de la logistique naine, vous voyez, vu qu'elle est étendue sur toute la map. Alors, point de vue d'ici. Ici, on peut recruter des troupes. Mais en fait, Erebor, il y a peu de chances qu'il nous attaque. Et même s'il nous attaque par surprise avec une armée qu'on n'aurait pas vue, on a Dale pas loin qui peut aider. Et on a les garnisons. Après, on a aussi Erebor en lui-même qui est facilement défendable. Bon, cela dit, c'est vrai que si on achetait quelques unités, ce serait pas du luxe quand même. Sachant qu'elles se retraînent, hein. Le peu qu'on va acheter va être retraîné automatiquement. Mais les mineurs, je sais qu'ils se retraînent. On va prendre une unité de mineurs pour le moment. Je veux pas tester les autres parce que si elles se retraînent pas, je le ferai au moment où on a un héros. Comme ça, si jamais elles sont pas en garnison, on pourra quand même les donner aux héros pour qu'ils les utilisent ailleurs. Alors, Gloin, le gentil. Intéressant. Ah, nain, population naine à Dainzol, ils ont complètement repris du poil de la bête. On a des lanceurs de haches qui vont arriver au prochain tour. On est très très bien ici, on ne touche à rien. Là, on retraîne les lanceurs de haches et les mineurs, comme prévu. Et on continue à construire la bière. Voilà, donc on va rester là un petit moment, hein, je pense. Ici, on récupérera les unités qu'il y a là. Et les Sons of the Fallen, parce que là, quand on aura le niveau nécessaire, on pourra les retrain. Donc on aura deux unités de Son of the Fallen, ce qui serait une énorme garnison de base. Avec la garnison, si jamais on se fait attaquer des nains environnants, enfin des villages environnants, on n'aura pas de soucis pour défendre, même si on n'a rien d'autre là-bas. Gimli va attaquer, et ben on va juste passer le tour. Hop. Allez, c'est reparti pour un tour. Notre diplomate qui progresse. On va peut-être dû l'envoyer discuter là. Notre espion qui patrouille. Ok. Bon, vous voyez, les nains font une guerre complètement à l'opposé du monde. Et ont des objectifs complètement différents de la guerre de l'anneau. Pendant que au sud, ils essayent d'empêcher le Mordor d'avancer, les nains, c'est plus, ils stoppent complètement Rune d'aller soutenir le Mordor. Et il stoppe totalement les orques à l'ouest d'occuper les montagnes. Voilà, donc les unités volantes, comme je vous l'avais dit, hein, de Rune, commencent à converger vers la ville parce qu'ils voient qu'on va l'attaquer. Mais ils n'ont pas eu le temps de la rejoindre, donc ça c'est un bon signe pour nous. Hop. C'est un très bon signe pour nous. On a une nouvelle mission, envoyer un émissaire à Odin Edain, bah, c'est justement ce qu'on faisait, donc tout va bien. Shadow of Mordor en relation, ça se baisse. Il y a eu l'air train et la bière est prête à Gundabad. Gundabad d'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va retrain ces nains là et on va construire de la bière encore, parce qu'en fait on n'est qu'une population de 14% de nains, hein, pour le moment. Donc même si on a l'infrastructure pour faire les armées et tout ça, on ne peut pas les faire à cause de du manque de culture qu'il y a dans le coin. Il nous manque les personnes essentielles, les forgerons, enfin tout ce qu'il faut pour
pour maintenir une armée en état de marche. Dainzol, donc, normalement, ils ont leur hache, et vous voyez, ils ont accès maintenant au Dragon Slayer des Red Mithril, ils ont accès au Son of the Fallen, enfin, aux arbalétriers, ils ont tout. Ils sont à 75% de culture, 80 même, c'est la fête. On va aller regarder à Gundabad, parce que maintenant on peut construire aussi d'autres choses. Vous voyez, à Gundabad, qu'est-ce qu'on a? On pourrait construire les mineurs, les warriors, les axemen, les halbardiers, les warden, les hammer of Gundabad et les son of the fallen. Les marteaux de Gundabad, qui sont l'unité spéciale de l'endroit, qui ne sont accessibles que si vous avez Gundabad, 9-28. Donc, ils sont même encore plus forts que les Axemen des Rebors, qui sont 8-28, mais qui ne sont pas effectifs contre l'armure, et qui n'utilisent pas de piques. Donc, ils peuvent même déployer des piques anti-cavalerie. Donc, là, on peut voir, hein, ça pique, hein, comme unité. Et ils sont 103. Waouh! Mais le requin, vous voyez ce que vous avez besoin pour ça? On peut pas aller plus haut que les guerriers si on a 25%, 50% pour les trois autres, et enfin 75% pour les marteaux de Gundabad et les Son of the Fallen. Donc le 75%, on l'atteindra pas si jamais on n'augmente pas drastiquement la bière. Il faut plein plein de bière là, sinon ça passera jamais. Et enfin, après la bière, on mettra le Grain Exchange pour faire des sous. Même si on préférerait faire des armées là-bas, je crois que l'infrastructure monétaire est importante pour les nains pour pouvoir avancer dans nos recrutements. Donc, on a hop Draki qui est en position. On pourra envoyer Draki seul au sud et laisser les deux mineurs dans la ville, ou alors on laisse qu'un seul mineur, mais je sais pas si ça suffit pour vraiment protéger un endroit. Si je fais le Town Guard, on aura le mineur qui sera retrain, donc ça fait comme si on payait pas 260 par tour. Je crois que c'est intéressant de pouvoir faire ça. Ça augmente l'ordre public optionnellement, mais on va payer en gros 1500 pour ne pas payer 600, 200 par tour. Donc au bout de 6 tours, ça sera rentabilisé. Et enfin, on va mener l'assaut sur Winterion avec Gimli. Hop. On va lancer directement l'assaut. On a une catapulte et une baliste. On va regarder les unités qui nous a. Ah ouf. Ok, il a trois unités de garnison de Westron, de défenseurs du Westron. Donc c'est les unités de garnison de runes. Hein. En gros, c'est des gens des steppes. Vu qu'ils combattent beaucoup de cavalerie, évidemment, leurs unités de garnison sont spécialisées anti-cavalerie. Mais ça ne fera pas l'affaire contre de l'infanterie classique. Ça sera quand même plus défensif qu'une infanterie de combat, mais elle fera moins de dommages. Mais on prendra plus de temps pour s'organiser. Vu qu'elles sont plus nombreuses que nous, elles pourraient très bien contourner l'unité de Gimli après l'avoir engagée. On pourrait plus trop la bouger et aller s'en prendre à notre artillerie. Donc, voilà. Notre cavalerie ne servant à rien évidemment contre ces trois-là et étant pas excessivement puissante face aux clanmen. Même si les clanmen, c'est quand même de la bouse. C'est moins fort que des gobelins. Enfin non, c'est aussi fort. Voilà. Donc on va lancer l'assaut. Ok, on va y aller. Alors. J'ai modifié les graphismes pour rétablir. Voilà, donc j'ai essayé de rétablir les graphismes qui allaient bien, vu qu'on avait baissé ça sur nos attaques des Misty sur des cartes compliquées, genre Erebor et tout ça. Donc voilà, normalement, on devrait avoir la plupart des détails, hein, vous voyez, même cet arbre nettement plus joli, même s'il n'y en a pas beaucoup, hein, pas beaucoup de végétation, mais ça c'est la ville qui veut ça, c'est pas dû à mes settings. Bon, on n'a pas beaucoup d'armées, hein. On n'a que deux catapultes, vous voyez, sur un stack de nains, c'est deux au lieu de quatre. Donc on peut dire que les catapultes naines sont beaucoup moins efficaces que les catapultes classiques, je dirais. Mais elles ont probablement des petites astuces, genre tir direct qui doit être comme le tir direct normal, tir enflammé qui tire en cloche, qui fait pas beaucoup de dégâts comparé aux boules de feu des catapultes classiques, qui font des dégâts apocalyptiques. Hein. Et ils ont un tir spécial, ok, voilà pourquoi. Ils ont le grapple shot, c'est-à-dire de la mitraille, donc pour tirer à très courte portée sur un cône devant les catapultes. Donc comme ça, quand les unités s'approchent trop près d'elles, elles peuvent les massacrer avec de la mitraille, et ça c'est pas mal.
Alors, nos balistes, on va les mettre de côté. Pour le moment, ça va être utilisé que pour protéger les catapultes, le temps qu'on détruise les murs. Ah oui, les dégâts aussi nets sont nettement plus hauts. Donc, avec deux tirs, c'est l'équivalent des quatre, mais beaucoup plus précise, vu qu'un tir touché pourra peut-être décapsuler une tour ou un truc comme ça, ou casser une porte. Donc, on va commencer comme ça, hein, simplement. Notre cavalerie est là pour le soutien au cas où. Je pense pas qu'on l'utilise, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'unités anti-cavalerie. Et on va faire la brèche. Alors je casse au niveau de la porte parce qu'on va déjà détruire les tours et j'ai pas envie d'avoir 10 millions de réparations à faire. Voilà. Et puis la pluie est à notre avantage contre les projectiles des tours, justement. Donc l'ennemi. Je regarde s'il fait une sortie, parce que des fois quand ils se sentent plus nombreux que nous. Parce que là ils ont l'avantage hein, du nombre. Des fois ils font des sorties. Non, c'est pas le cas. Donc on va ouvrir la porte. S'ils défendent pas la porte, on pourra vite fait envoyer Gimli ici et défendre la position. Je pense que ça peut être une bonne idée. Alors on va commencer son mouvement. Et on va regarder. Alors j'espère qu'il tire pas en cloche sur quand c'est éteint. Sinon ça va être l'horreur pour détruire ça et la porte, et il faudra tirer sur le mur. Ok, vous voyez, il tire normalement. Bon, la gatehouse, il n'y en a pas. Le Son of the Fallen qui passe à côté. Ah, ils ont une belle gueule quand même. Ok. Eh ben, on va attendre de voir le premier impact. Le problème, c'est qu'on ne verra pas si j'envoie pas une unité en scout, donc notre cavalerie par exemple. La cavalerie peut faire diversion le temps qu'on casse la porte. À l'intérieur de la ville, j'entends, mais le problème, c'est qu'on risque de perdre beaucoup d'unités pour juste un rôle de. 49%, ok, on va faire courir nos nains parce que là ça va ouvrir assez vite. On va laisser la cavalerie à l'extérieur pour le moment. Nos balises vont pas servir, je pense, durant cette bataille. Il peut lui ordonner de faire feu sur la porte, pourquoi pas. En éteint, par contre. Que ça soit précis. Et la porte, ah dommage, elle a pas pris le tir. Je pense qu'elle passe à 98 au prochain coup, donc il lui faudra quand même deux boulets pour casser. Et nos unités sont en position, il va commencer à envoyer des troupes. Oh, la porte a cédé, deux boulets, tir au but. Ok, alors, jaugeons un peu la situation, la pluie est battante. Les unités ennemies sont en train de se réorganiser. Elles ne sont pas prêtes à défendre leur cité. Donc on a deux choix. Soit on rentre, on fait tout le tour et on passe par là. Comme ça on est sûr d'éviter tout ce qui est tour et tout ça. Soit on fonce directement là en essayant de se battre au milieu pour pas qu'ils manient les tours. Ce qui peut être une option, hein. Si on défend ici, on n'a même pas besoin de faire la formation. Et on n'a pas vraiment besoin de la cavalerie, mais je vais quand même l'approcher parce que si on peut tomber sur les clansmen sur un malentendu, on pourra peut-être leur faire une petite charge de dos pendant qu'ils sont en train de se battre contre nos fallen. Donc on a pris la gate. Gateway à nous. Allez. Bon, cette unité, elle obéit immédiatement aux ordres. C'est rare de leur donner un second ordre pour qu'elle ait à obéir. Hein. Voilà, donc là on va carrément. En fait, j'ai pas envie de la mettre là. On pourrait la mettre en position là et remonter et tuer tout le monde. Je pense que Gimli peut, l'unité de Gimli peut tout tuer là. Mais je préférerais pouvoir faire des charges de dos. Donc les forcer à avancer sur nous. Le seul moyen de les forcer à avancer sur nous, c'est de rapprocher mes catapultes et de tirer sur l'infanterie. Voilà, on va installer notre cavalerie derrière. Et je vais rapprocher mes catapultes, mais pas besoin d'aller à l'intérieur, hein. Vu que justement elle tire en boucle, en cloche. On va pas les mettre trop près non plus. Le but étant simplement. Oh, mais on a déjà la portée, pardon. Tant pour moi. Après, on pourrait amener nos catapultes ici et tirer à la mitraille, hein, ça ferait un carton. Mais après, on devrait défendre nos catapultes avec notre chef et la mitraille tue sans distinction. Donc on risque de perdre quand même beaucoup de nains à faire ça. Alors qu'en tirant en cloche. Allez, on peut aller tenter la mitraille, c'est quand même tellement puissant. Allez. On va accélérer par contre pour que
La catapulte y aille vite. Et on va surveiller. S'ils nous attaquent, s'ils font le tour sur notre cavalerie. Bon, en même temps, ils n'ont pas beaucoup de choix. Hein. S'ils engagent nos nains, ils vont se faire prendre à revers. Le seul moyen qu'ils aient d'engager nos nains sans se faire prendre à revers, c'est préparer une défense ici, une défense là, et c'est tout. Donc il faut qu'ils bloquent au moins deux passages. Ça veut dire qu'ils engageraient mes nains qu'avec une unité de lanciers. On s'en dépasserait suffisamment vite pour que ça n'ait aucun intérêt. Parce que le but, lui, c'est d'essayer de choper les Sons of the Fallen à 3 contre 1 ou à 4 contre 1. Sinon, il fera pas grand-chose. Bon, voilà. Notre catapulte va se mettre en position. On va installer nos nains par ici. On va les laisser de ce côté quand même. Juste assez près au cas où ils décident de foncer sur les catapultes. Catapultes qui ont l'air d'avoir un souci de placement. Ok, je sais pas point de vue du son du jeu. Moi, il est un peu faible pour moi. N'hésitez pas à me dire. Ça, je peux toujours régler pour la prochaine fois. Alors. Hop, on est en position. Alors là, ils ont fait une grossière erreur de nous laisser nous placer. Hein. En même temps, ils peuvent pas faire grand chose. Ces pauvres humains. On va lancer le feu. On peut se rapprocher en fait, hein, mais je sais pas trop comment se comporte la mitraille, donc je préfère pas prendre de risques. Je pense pas que ça tire devant, je pense que ça tire, ça commence à partir de là à la volée. Mais on va vite le savoir. Ok, bon bah c'est un carnage. C'est un carnage par contre. On a mis un coup de pied dans un nid de frelons. On s'est rechargé assez vite. Peut-être refaire un deuxième tir avant de t'engager. Ok, allez. Ok, alors j'ai pas vu beaucoup de morts, mais... Oh, si, ça a touché en fait l'arrière, plus que l'avant. Est-ce qu'on entend un troisième? Non, j'envoie les nains à la rescousse. Voilà. On va lui laisser quand même tirer la dernière volée en espérant que ça tue pas Gimli. Parce que des fois, ça peut le choper, hein. L'artillerie, je suis mort plein de fois. Ça, c'est les clanmen, on va envoyer la cavalerie, alors c'est bien tombé qu'ils aillent par là. Waouh. Ok. Et enfin, on va lui dire de se replier vu qu'elle est engagée au contact. Il n'y a que ce nain qui est engagé, donc logiquement, on en perd une au max. La cavalerie qui réussit une charge de côté sur les clanmen. Ah, les tours ont été maniées pendant quelques secondes, vous voyez. Le fait qu'ils aient traversé, c'était pas bon signe. On va mettre les servants d'artillerie en position de combat, au cas où. Et nos Sons of the Fallen, bah, vont se battre. On peut voir qu'il y a des unités d'élite de runes, hein, les cataphractes et tout ça. Et c'est leur sergent. Alors, notre cavalerie, on peut pas se permettre de l'enlever pour le moment. Faut qu'elle réduise les clanmen, pour que cette tour ne soit plus maniée et qu'elle ne tire plus dans le dos. Pour le moment, elle va subir, mais elle a un rôle vraiment important dans cette bataille. C'est de punir ceux-là. On va peut-être quand même faire une charge avec. Ok, allez, on revient. Petite charge, ça serait vraiment appréciable. Charge réussie, on peut voir voler les corps. Heureusement que c'est les clanmen, hein. Faudrait pas qu'elle pousse trop vers les lanciers. Sinon ça va mal finir. 27, 3 galons. Ah. Ok, ils sont déjà plus que la moitié. On va faire une dernière charge sur les 42 clanmen. Vous voyez là, ceux-là vont se faire tuer rapidement. Une fois que ceux-là sont morts, la tour ne sera plus maniée. On a perdu 5 de nos catapultes, hein, rien qu'à cause de la tour. C'est une vraie mitrailleuse ce truc. Voilà. Là il n'y en a plus et c'est réglé. On n'a plus besoin de la cavalerie. On va juste pousser avec les nains. Alors on va aller surveiller que Gimli fasse pas l'idiot à combattre tout seul en plein milieu des ennemis. Genre là.
Il est... Oh, il est là. Non, il est où? Oh, il est forcément devant ce pauvre. Je sais pas où il est. Peut-être qu'il a été bloqué. Et il est là, il est à l'arrière. Oh, il doit gueuler. Il doit rien y voir. Ah là là, vous l'entendez déjà jurer. Laissez-moi passer! Hop. Bon, on va regarder un peu le combat, hein. Faut dire, on a pour une fois des unités hyper puissantes qui combattent des unités moyennes, hein. C'est pas la honte quand même les Western Defenders. Bon, pas les Clanman bien sûr. Mais vous voyez, hein, la formation des Son of the Fallen est très solide. Oh, y a peu de chances qu'ils se fassent percer. C'est vraiment que sur des coups de chance qu'ils vont passer les armures. Ou alors sur des débordements comme ça. Alors on va être borné comme des nains. Ça va réduire un peu la fatigue, ça va augmenter notre défense et notre résistance aux coups mortels. Simplement. Par exemple là on a un nain là-bas tout seul. Ouais, j'aimerais bien qu'il survive si possible. Le problème c'est qu'il a dû enchaîner les bottes et puis ça l'a fait parcourir la moitié de l'armée ennemie. Là on continue à prendre des tirs. C'est un petit peu embêtant. Parce qu'il manie la tour de temps en temps en fait en s'approchant. Alors, il faut qu'on les repousse hein, bien sûr. On va mettre les nains dans l'angle mort de la tour. Je pense que ça doit être un angle mort ça. Ok. En général mort. Ça ne va plus être très long. On a perdu 3 de nos Son of the Fallen, donc on peut voir hein, la supériorité est clairement établie. Quand on est plus borné comme des nains, on a la formation bouclier qui revient. Parce qu'on peut l'utiliser qu'une fois borné comme des nains. Vous avez vu, ça dure pas très longtemps. Mais ça permet par exemple aux unités de cavalerie très faibles de résister aux dégâts. Là on n'est plus que 71. Si jamais je me fais la formation bouclier, ça va densifier la formation de nains. Mais ils vont commencer à pousser comme des dingues. Et vous voyez, tant qu'on n'est pas vraiment bien dans la rue, je préfère éviter. Là, on gagne le combat très largement. Pas vraiment d'intérêt de pousser ça. Par contre, vous voyez, ça va prendre un temps fou parce que c'est lancier contre lancier. C'est pas des Iron Guard hein, qui se battent là. C'est bien des lanciers aussi. Ils sont puissants. Ils sont tout aussi puissants, mais la rapidité d'exécution n'est pas la même. Alors, est-ce que mes balistes pourraient atteindre ces gens dans la cour centrale? Je pense qu'ils peuvent. En évitant de détruire les murs, il faudrait les avancer assez près. Ah, ça devrait passer en cloche sur le carré central. Alors combien? 69. On a perdu deux autres guerriers. Oh, bon, j'ai pas regardé les scores de l'ennemi, mais ils doivent en perdre beaucoup plus que nous. Hein. 61. On va regarder les drapeaux. Alors, il a 3 clanmen. 61 Westron, 91 Westron. Donc 150 Westron en tout. Et 3 clanmen, on va pas compter. Hein. Nous on est 69. J'ai du 2 contre 1. 2 contre 1, on y arrivera largement. On se bat nettement moins quand c'est les orques. Et ils sont pas beaucoup plus forts que les orques. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Alors c'est assez intéressant parce que je pense que je peux faufiler ma cavalerie. On va essayer. La faire charger dans le dos de ceux qui se battent contre la ligne principale. Et si on y arrive, sans se faire attraper par les lanciers là, ce serait vraiment magnifique. 86, 57, ça tombe. Nous on en a toujours pas perdu. La cavalerie très mobile hein, de Dale, c'est ça l'avantage, mais c'est une cavalerie légère évidemment. Par contre, si jamais il ne fuit pas, non, ah, il ne peut pas venir ici. S'il ne fuit pas, au moment où je vais le recharger dans le dos, ça va être compliqué pour notre cavalerie qui va peut-être être pris en étau. Hein. Mais faudrait que la charge réussisse pour que vraiment ça fasse l'effet escompté et les fasse fuir. Hop, on passe juste devant eux, on les prend de dos avec la cavalerie, allez! Charge réussie. Oh, et ça sent la déroute. Ok, une des unités est rentrée en déroute, les deux sont rentrés en déroute. C'est la déroute instantanée, je garde jusqu'au dernier moment. Je veux pas rentrer en contact avec l'unité de lancier,
qui n'a pas l'air de savoir ce qu'elle veut faire. Ok, on va se replier avec la cavalerie, on va laisser les dingérés la curer. Voilà, on va les laisser se reformer aussi. Reformez-vous. 68. On a perdu un nain dans l'affaire, mais on a tué peut-être 150 Westrons quasiment instantanément grâce à cette charge. Très très bonne manœuvre de nos amis de Dale. C'était à double tranchant. S'ils n'avaient pas craqué, s'ils avaient encore leur général ou un vrai général, ça aurait pu mal finir. Je vais pas remanier les catapultes. Oh, quoique. Allez. On peut essayer le tir, le mortier, qui est nettement plus précis. Et tirer sur eux, là. Pendant ce temps, on va les empêcher de revenir sur le carré central. Comme ça, s'ils rentrent en déroute, ils ont perdu. D'ailleurs, on va faire la formation de bouclier cette fois. Pour les repousser. Et on va regarder les tirs de catapultes si jamais ils sont plus précis en boucle, en cloche. Bon, l'avantage c'est que vous voyez, ils peuvent tirer dans la ruelle, mais ça fait pas les mêmes dégâts qu'une vraie catapulte. Hein. Ça fait vraiment des dégâts beaucoup plus light. Ok, là on les pousse. Là on est en formation de bouclier. Rien ne passe. Ah, rien ne passe, enfin. Si, ça passe, mais... Juste parce qu'on n'était pas prêt quand ils ont avancé. Alors, la catapulte va continuer à tirer. On va voir où ça tombe. On va surveiller que Gimli se prenne pas un boulet de canon sur le coin du visage. Il est là, il est en train de se battre. Non, les catapultes vont pas tirer. Hein. Qu'on est engagé, logiquement. Mais j'aime pas l'icône qu'elles ont. Alors, ils sont combien? Ils sont 116. Eh ben, on va envoyer la cavalerie de Dale dans leur dos. Hop. De nouveau. Ah. Continue à bouger. Non, faudrait qu'ils restent à peu près en formation. Voilà, la cavalerie est prête. Hop. En position. Chargez-moi dans leur dos. Bon, je sais pas s'ils arriveront à faire une charge dans cette petite ruelle, mais... Et s'ils peuvent faire une charge, ça serait la même en couleur. La charge est lancée. Et ça n'est pas la déroute, mais quand même beaucoup de dégâts. Oh, ils sont en wave et ça n'a pas suffi. Alors on va les replier tout de suite. Pas qu'ils subissent trop. Ils ont perdu un homme, mais ils ont gagné un galon. Je crois que dans l'affaire, ils y sont gagnants. Vu qu'ils ont plus un en attaque maintenant sur leur prochaine charge. Voyons voir s'ils y arrivent. Oh, une deuxième, ça devrait laisser aucune place au doute. Cette fois-ci, 80. La charge a réussi, mais ça ne tue pas assez pour les faire rentrer en déroute. Encore un échec sur la morale. On se replie avant de perdre trop d'hommes. On n'en a pas perdu, mais par contre, nos nains à l'avant ont subi l'effet de l'enclume. Hein. Ils sont plus que 60. On va retirer la formation bouclier et se battre normalement. Oh là là, pas donner d'ordre comme ça, c'est mal. Alors, pourquoi j'arrive pas à donner d'ordre? Ok. Faut viser le drapeau. Allez, la cavalerie, une dernière. Ils sont plus que 36. Et je crois que c'est réglé. Leur morale tient exceptionnellement bien. Ils sont pas sur le dernier carré pourtant. Oh, le cheval là, c'était complètement désarçonné. On en a perdu 4 sur ce coup. Alors la bataille n'est pas gagnée parce qu'en fait il avait une autre unité qui était sur le carré. Si on avait tué cette unité, c'était bon. On aurait gagné instantanément. Bon, on va terminer ce qui reste bien sûr. C'est pas grand chose, on va tuer eux. Hop. Good news. Our men are full is utterly vanquished. Voilà, petite bataille tranquille, sous la pluie. Alors, la ville est nôtre. On va simplement l'occuper. On veut rien détruire, hein. Ça va être un... Alors le problème c'est que, en général, vaut mieux raser ou exterminer la population pour gagner l'ordre public.
Avouez, le niveau de peur de Gimli, c'est pas un niveau de chevalerie, hein. Il est pas chevaleresque, Gimli. C'est un bourrin. Mais du coup, on détruit pas les bâtiments, mais la population est quand même rangée à la cause de nos ennemis. On les a pas décapités, on les a laissés libres, ils vont commencer à fomenter des rébellions. Il faut absolument qu'on laisse un héros ici. C'est le but du héros secondaire. Mais je sais pas si le héros secondaire arrivera à tenir l'endroit sans garnison. Parce que on va peut-être pas lui laisser ça. Hein. Quoique. Si, mais il n'y en a pas assez. Donc ça va prendre un peu de temps avant que la situation se stabilise. Il faut absolument qu'on fasse, bien sûr, la taverne. Hein, pour améliorer les choses. Mais il y a déjà un petit pourcentage nain. Oh là là, très très faible. Beaucoup de Norsemen. Norsemen, c'est pas aussi toxique que l'ennemi, mais... Voilà. Bon, Gimli a réussi sa mission assez facilement, finalement. Et on va regarder un peu l'unité qu'il y avait. Ok. Donc, des clans warriors, des crossbowmen et des archers. Vous voyez, s'il y avait eu des archers et les arbalétriers dans la ville, au lieu d'être dehors, avec des clans warriors pour maintenir un peu plus le combat, on n'aurait pas pu passer avec cette armée. Enfin si, on aurait peut-être passé avec Gimli, mais on aurait fini à 20 soldats debout. Et encore, rien ne dit qu'on aurait réussi. On peut pas changer les taxes, donc même avec Gimli, vous voyez, on est à 95% de révolte. Ça va être compliqué, j'aurais probablement pas dû simplement épargner les gens à l'intérieur. J'aurais dû peut-être exterminer tout le monde. Du coup, oui, on va dire à Draki de directement venir, et on va prendre une de ses unités mineures avec lui. Je voulais en laisser deux, mais je crois qu'on va pas pouvoir, sinon on tiendra jamais les villes qu'on a prises. Et l'arrière va sombrer alors qu'on tient l'avant, ça serait vraiment moche. Je pourrais envoyer la cavalerie à Rubar, histoire de maintenir un peu mieux le terrain, mais c'est pareil, la cavalerie on va en avoir besoin pour défendre Elgaer si on se fait attaquer. Mais vous voyez, le Runit ne nous attaque pas non plus, et au moment où on va démunir la ville, il va foncer sur nous. Donc c'est un petit peu mesquin, mais bon, il a raison, hein, en même temps, attaquer que quand on est sûr. D'un autre côté, vous voyez le nombre d'unités qu'on a, on n'est pas nombreux, hein. On a 7 unités avec Thorin, donc il suffit qu'il nous envoie un stack de 20, on va gagner, mais on aura combien de pertes, combien de fronts on va devoir se battre en même temps, enfin, vous m'avez compris. Voilà, donc, tout va bien, je crois qu'on va stopper là, prochain épisode... Oh, quoique, ça a été vite quand même, je trouve, non? Ouais, on va faire des épisodes courts, mais je vais finir les elfes et les nains, donc je vais faire deux épisodes à chaque fois, je pense. Donc autant les faire courts, ce qui fera l'équivalent de deux fois une demi-heure, je pense. Voilà, on se retrouve à notre prochain épisode, merci d'avoir suivi, et à bientôt!